الأصدقاء، السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci pour vos compliments, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé, sans oublier d'abonner avec vous, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas les gens que vous connaissez, ceux qui sont autour de vous, vos alentours, vos connaissances, vos proches, afin qu'ils soient eux aussi très informés à partir de ces petites séquences vidéo. Et celle-ci, la présente séquence, se penche sur ce continent africain dont une certaine France veut rester un partenaire pertinent, entre guillemets, malgré les discours, tous ces discours actuels anti-français. En effet, la chef de la diplomatie française a assuré mardi dernier que Paris souhaitait rester un partenaire pertinent sur le continent africain, malgré ses discours anti-français, et rappeler la volonté de la France, peut-être, de bâtir une relation nouvelle, équilibré, réciproque avec ces pays d'Afrique. C'est ainsi, chers amis, que cette France veut rester un partenaire pertinent en Afrique, malgré tous ces discours anti-français actuels. C'est ce qu'a déclaré purement et simplement une certaine ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en présentant ce mardi 6 juin devant le Sénat la politique étrangère du pays, de cette France, en Afrique. Alors que la population de l'Afrique, justement, qui compte déjà 1,1 milliard d'habitants, est amenée à doubler d'ici 2050, selon les Nations Unies. La jeunesse africaine a lancé un défi à la France, celui de nous renouveler, de changer notre manière de faire, a déclaré la chef de la diplomatie française, soulignant que Paris avait entendu, dirait-on, enfin le message des jeunes Africains. Elle a rappelé aussi, Catherine Colonna, la volonté de la France de bâtir une relation nouvelle, équilibrée, réciproque avec les pays d'Afrique. Et c'est ainsi que cette France restera un partenaire proche, pertinent dans ce continent, appelé à occuper une position tellement centrale dans les équilibres du monde de demain. C'est ce qu'a ajouté cette Catherine Colonna. Et on dirait enfin, vaut mieux tard que jamais. Et cette ministre, Catherine Colonna, n'a pas éludé les vents contraires, et notamment une certaine diffusion de discours anti-français dans certains pays d'Afrique francophone surtout. Ces discours sont pour partie liés à l'héritage de cette histoire, pour partie aux frustrations de cette jeunesse, pour partie aussi à des entreprises hostiles venant notamment d'une certaine Russie. C'est ce qu'a estimé cette Catherine Colonna, chef de la diplomatie française. L'Afrique est au cœur de luttes d'influence
internationales qui ont redoublé depuis une certaine invasion russe de l'Ukraine en février 2022. De nombreux pays africains sont dépendants pour leur alimentation des importations de céréales de Russie et d'Ukraine. Moscou a multiplié ces dernières années les initiatives sur le continent africain visant à se poser comme alternative aux anciennes puissances coloniales comme la France. Rien n'est plus faux et depuis longtemps que de penser que les relations entre la France et ses partenaires africains vont de soi dans un monde toujours plus concurrentiel, surtout actuellement, a également souligné cette ministre Catherine Colonna devant les sénateurs. Avec une participation toujours plus importante du continent africain dans l'économie mondiale, ce sont des marchés, toujours des marchés, à consolider ou à investir pour nos entreprises, a poursuivi bien évidemment Catherine Colonna. La France est le deuxième investisseur étranger sur ce continent africain après la Chine. Qui sait? Dans l'avenir, qui sait? Cela reste un point d'interrogation. Et en 15 ans seulement, en 15 ans, le nombre de filiales d'entreprises françaises a doublé sur le continent. De même que les investissements, c'est ce qu'a détaillé Catherine Colonna, mais cela reste à voir encore. Et de son côté, un autre ministre, celui des armées cette fois-ci, un certain Sébastien Lecornu, a relevé qu'au fil du temps, les pays africains avaient décidé de diversifier leurs partenariats, de mettre en concurrence, y compris sur le plan de la défense cette fois-ci. Cela porte le défi d'être plus attractif vis-à-vis de partenaires anciens avec lesquels nous sommes dans des relations affectives. C'est ce qu'a déclaré Sébastien Lecornu. De plus, Sébastien Lecornu a souligné que le continent africain était soumis aux tensions entre modèles autoritaires et démocratie de l'autre, et qu'il fallait s'interroger sur le modèle qui convient, aller savoir choisir entre les modèles autoritaires et les démocraties. Un certain Lecornu, vivant en France, se pose cette question, cette interrogation. Et s'agissant de la menace terroriste cette fois-ci, elle a évolué. Elle est parfois plus fragmentée, plus diffuse, plus endogène, plus difficile à détecter et à renseigner. C'est ce qu'a expliqué toujours ce Sébastien Lecornu décidément. Il vit dans un pays démocratique, dans sa chère douce France. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence, et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos amis, les membres de votre famille, de les abonner à votre chaîne, et pour recevoir les toutes dernières infos de vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout de ces séquences, justement. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. Vous pouvez le faire là où vous pouvez le faire, partager en grande masse et à volonté, sans réserve. Faites-le partout où vous pouvez le faire. Même en allant chercher quelques petites adresses dans vos répertoires téléphoniques, vous cliquez et ce sera fait. Cela ne va vous prendre que quelques petits instants seulement. Et pour cela,
un tout grand merci. Quant à moi, l'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.